Je m'appelle Francis Lombrail, j'ai été commissaire-priseur pendant une vingtaine d'années. Euh, et après euh, 20 ans de, de, de profession dans l'art, euh, je m'occupe uniquement euh, euh, d'expertise de, et euh, je m'occupe de ma collection. Je suis intéressé à, à, à la peinture en rencontrant un, un artiste qui s'appelle Sam Safran et qui m'a fait rencontrer Diego Giacometti. Euh, il y a maintenant euh, bien longtemps, c'était en 1971. Et en parlant avec euh, ces hommes euh, brillants et talentueux, j'ai forcément entendu énormément parler de Bacon. Donc, euh, Bacon n'est certainement pas le premier tableau que j'ai acheté puisque j'en avais absolument pas la, ni la possibilité ni les moyens. Mais une, une idée. Et une sorte d'idée fixe, d'obsession est, est entrée dans, dans ma tête en me disant un jour, il faudra que mon, mon premier grand tableau, et peut-être même le seul, soit un, un, un bacon. Donc euh, ben j'ai nourri une sorte d'admiration de, 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 sur, ce, sur cet artiste qui pour moi d'ailleurs, euh, à l'heure actuelle, fait partie des, des, plus, des plus grands artistes de, de, de l'ère chrétienne, avec, euh, avec les grands maîtres que l'on peut connaître, euh, de Velázquez à Picasso, euh, en passant par euh, Le Caravage ou, euh, ou Egon Schiele. Et euh, donc je cherchais, je cherchais ce tableau de Bacon dans ma tête, je me disais qu'un jour j'aurais une rencontre entre un tableau et moi, et que tout, Ferait que ça m'amènerait à, à l'achat de ce tableau. Et effectivement, un jour, en 1993, il y avait donc cette crise énorme de la guerre du Golfe, et la, les œuvres d'art, du, quasiment du jour au lendemain, se sont effondrées. Il y a donc eu la FIAC en 1993. Et dans une grande galerie qui s'appelle la galerie Waddington, euh, l'accrochage se préparait. Et moi, je ne pouvais pas assister au vernissage, je partais, je partais en, en voyage, et j'ai demandé la permission de rentrer à la FIAC bien avant euh, même l'accrochage. Et quand je suis rentré, je suis rentré avec les camions, avec les livraisons, et donc les tableaux étaient par terre. Et quand je suis arrivé chez, chez Leslie Waddington, tout à fait naturellement, puisque c'était la plus grosse galerie, elle était juste à l'entrée. De la FIAC, euh, je suis rentré dans son espace, il était là, et j'ai vu un tableau par terre. Je l'ai vu, mais j'ai pas vu le, le tableau, j'ai vu le dos du tableau. J'ai vu trois tableaux encadrés ensemble, euh, un triptyque en définitive, à l'envers. Et je savais que c'était mon tableau, je savais que c'était le tableau qui, qui m'attendait depuis euh, 1972, ce tableau. Auquel je pensais euh, fortement. Et je savais que quand j'allais retourner ce tableau, euh, ça allait être le mien. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Leslie euh, s'il avait la <coughs> gentillesse de, de, de retourner le tableau pour moi en lui disant Tu sais, j'ai l'impression que ce tableau, c'est le mien. Il m'a dit Mais t'es fou, c est, c est... je vais le retourner, tu vas le regarder, mais c'est un tableau euh, très cher, même si tout s'est effondré, il est quand même très cher parce que je vais te montrer un, un triptyque de Bacon qui représente une étude pour trois portraits de Georges Daillère. et en plus, c'est le premier triptyque que Bacon a exécuté euh, en 1963 de son ami euh, Georges Dailleurs qui venait juste de connaître euh, depuis quelques mois. Donc il a retourné le triptyque et quand il a retourné le triptyque, en une seconde euh, peut-être même même pas même pas une seconde, je dis c'est mon tableau. Et euh, il m'a dit « Mais je ne t'ai pas donné le prix du tableau, donc tu ne peux pas dire que c'est ton tableau. » Je lui ai dit « Si, c'est mon tableau. C'est mon tableau. C'est lui que j'attends depuis toujours. Et si je n'achète pas ce tableau maintenant, je sais que euh, je passerai toujours à côté de la possibilité de pouvoir avoir un, un, un bacon. » Il faut vous dire aussi que j'avais rencontré Bacon... Euh, en 1976, j'avais pris une bière avec lui tout à fait euh, incidemment après le, le vernissage qu euh, qu'il qui, qui venait inaugurer à Paris. Euh, je l'avais rencontré euh, au bar euh, de, de la rue du Bac et du boulevard Saint-Germain. Il y avait encore un bar à cette époque-là, juste en face de chez Pierre Pitch, l'antiquaire. Euh, je l'avais reconnu, j'avais été lui dire bonjour, euh, lui faire part de, de, de mon admiration et, et de mon respect. Et il m'avait dit, bah, tiens... Au lieu de raconter des conneries, euh, assieds-toi et prends un verre. J'ai pris un verre avec lui, ça avait duré à peu près un quart d'heure, puis j'étais parti. Euh, voilà. Mais je savais que là, il allait vraiment se passer quelque chose avec, entre moi et, et Bacon. Et quand Leslie, pour revenir à, à la FIAC, quand Leslie Waddington m'a donné le prix du tableau, effectivement, c'était un prix très très important, mais c'était un prix beaucoup moins important que l'on pouvait imaginer euh, un an, deux ans, même trois ans avant. Donc euh, je lui ai dit bah, « je, je t'achète le tableau ». Donc j'ai vendu toute ma collection de tableaux que j'avais accumulée depuis 1972 euh, jusqu'en 1993. J'ai tout vendu pour acheter ce tableau. Voilà pour moi le premier achat, euh, euh, mon premier tableau euh, acheté dans, dans ma vie de collectionneur.